L'artisanat, tissu économique de la France, tissu économique de nos villages, tissu économique de nos quartiers, nous avons tous besoin de nos artisans, bouchers, boulangers, coiffeurs. Aujourd'hui, un CFA, c'est la formation de nos futurs artisans. Venez nous rejoindre pour préparer l'avenir de notre CFA. Le CFA de la Chambre des métiers des Yvelines est au service des artisans depuis près de 50 ans. Aujourd'hui, il faut lui donner un nouveau souffle pour répondre aux attentes des artisans et des jeunes. La loi Avenir professionnel modifie les attentes vis-à-vis du centre de formation d'apprentis, notamment sur la question de la qualité de l'apprentissage et sur l'accompagnement vers l'emploi. C'est l'objectif du projet d'établissement que de répondre à ces attentes. Pour cela, il va falloir construire un diagnostic en identifiant ce qui fonctionne bien au sein du CFA, ce qui est plus en difficulté ou qui est à construire, et quelles sont les solutions à construire pour les jeunes, pour les familles et pour les artisans. Pour réussir, il s'agit de conduire un travail collectif, en mesure de répondre aux attentes de chacun. Des questionnaires seront diffusés vers chacune de nos parties prenantes, les maîtres d'apprentissage, les apprentis eux-mêmes, le personnel de l'établissement, les familles. Un séminaire nous réunira au début du mois de juillet pour rassembler toutes les contributions. Enfin, un document sera préparé qui rassemblera l'ensemble des actions à conduire pour les prochaines années. Moi, artisan boucher, j'aimerais que la relation entre les maîtres d'apprentissage, le CFA et l'apprenti soit améliorée de façon à ce que les différents acteurs de cette filière se côtoient plus et trouvent des solutions pour que l'apprenti parvienne à trouver des solutions utiles tout au long de son apprentissage. Je participe au projet de l'établissement du CFA car pour moi, avoir un CFA avec de la bienveillance et de la responsabilisation, c'est un engagement fort pour faire des apprentis, des adultes responsables et motivés. Je m'engage dans ce projet afin de pouvoir développer la pédagogie de l'apprentissage, d'être à l'écoute des besoins de tous et de pouvoir disposer d'outils modernes et adaptés. Je m'engage dans le projet d'établissement pour préparer la réussite du CFA et des apprentis qui ont la chance de s'y former. Ce document, qui définira nos actions pour les prochaines années, sera ce que nous en ferons. Toutes vos contributions seront les bienvenues. Signalez-vous, répondez à nos questionnaires, participez au séminaire des 4 et 5 juillet, faites-nous parvenir vos contributions à l'adresse projetetablissement@cfa-cmy.fr.